Stéphane Huchard, musicien. Je me produis avec mon groupe et je fais un hommage à Art Blakey et aux Jazz Messengers. Et la thématique, en fait, c'est de mettre en exergue le côté africain de Blakey, avec des percussionnistes africains, d'origine africaine, et un quintet d'associer la couleur très Jazz Messengers et l'Afrique. Et ce soir, il y aura d'excellents musiciens, donc Pierre de Bettman au piano, Alex Tassel au bugle, Sylvain Boeuf au saxophone, Diego Imbert à la contrebasse, Stéphane Edouard aux percussions, et le deuxième percussionniste nous vient de Côte d'Ivoire et s'appelle Tom Agey. Il y a quelque chose de très tribal dans le djembé, par exemple, qu'on n'a pas forcément dans la batterie. Moi, ça m'a beaucoup appris. En tout cas, depuis que je fais ce groupe, j'entends les choses différemment par rapport aux percussions, au rôle des percussions et au rôle de la batterie. On va se produire dans d'autres contrées, notamment au printemps prochain. Il y aura pas mal de dates en province. Et voilà, ils seront les bienvenus.